Bah décidément, aujourd'hui, ça n'arrête pas. On dirait que c'est mon anniversaire. Des messages par dizaines pour la féliciter. Sophie Devos, 49 ans, qui a gravi les échelons du pouvoir. Conseillère communale en 2006, échefine depuis 9 ans, bon et que coup. rien ne prédestinait à occuper le Mayora. « Jamais j'aurais imaginé il y a 15 ans que je serais dans cette situation aujourd'hui. Au début, j'étais vraiment, et je suis toujours d'ailleurs, en fait, une citoyenne engagée. J'avais envie de m'investir pour ma commune, pour ses habitants. Et jamais j'aurais imaginé ça. On oui. peut t'embêter 5 minutes bien, bien, bien. Elle succédera à Didier Gozouin qui va rendre son écharpe après 26 ans, convaincu qu'elle sera entre de bonnes mains. C'est quelqu'un qui a le sens euh, pragmatique des choses, ce n'est pas une idéologue. Euh, je pense que dans la gestion d'une commune, on n'a pas besoin d'idéologie. On a besoin des gens qui ont les pieds sur terre parce que c'est la confrontation avec une multiplicité de petites demandes ou de grandes demandes. Ça, c'est ce que tu vas devoir gérer. Mmh mais difficile de prendre la succession de celui qui incarne Other game depuis si longtemps, même si elle l'a déjà souvent remplacé lorsqu'il était ministre. J'ai une chance d'être une femme, donc déjà, ça ne va pas trop porter à comparaison. Je ne suis pas de la même génération non plus, donc de nouveau, deuxième atout. Non. Les deux cas, ce n'est pas de ma faute, mais je crois que grâce à ces deux, à ces deux éléments, les gens ne feront pas trop, trop la comparaison. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que le style sera différent. Comment ça va se marquer ben, Je pense par ben, de, de nouveaux projets, beaucoup de contacts avec les citoyens. Attention, il y a un Père Noël. <laughs> Et coucou Hello. Comment Hello. allez-vous bien Avec la simplicité comme maître mot. On peut lui envoyer un petit SMS, on peut lui passer un petit coup de fil. C'est pas formel quoi. Moi, je l'appelle Sophie, je la tutoie, c'est très agréable. Elle prêtera serment en janvier pour la première fois. C'est une photo de femme qu'il faudra ajouter à la galerie des portraits des bourgmestres.